Vendredi, la Cour constitutionnelle a validé sans surprise les résultats provisoires du référendum du 18 juin. Après donc les constitutions maliennes de 1960, 1974 et 1992, celle de 2023 a été adoptée à presque 97% des voix, pour un taux de participation de 38%, a indiqué le président de la Cour constitutionnelle, Amadou Ousmane Touré. Il apparaît que le projet de constitution soumis au corps électoral a été adopté par le dit corps électoral. Par ces motifs, article 1 déclare adopté par le peuple souverain du Mali le projet de constitution soumis à référendum le 18 juin 2023. Dans la foulée de la proclamation de ces résultats, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, porteur du projet, a aussitôt promulgué la nouvelle loi fondamentale et adressé un message à la nation malienne. L'acte de promulgation de la constitution que je viens d'effectuer ouvre ainsi la voie à la naissance de la 4e République du Mali. Bien que le projet de constitution ait suscité beaucoup de discussions durant la campagne référendaire, je comprends tous ceux qui, pour diverses raisons, se sont prononcés contre son adoption. À présent que le peuple s'est prononcé, il n'est nullement question de victoire d'un groupe sur un autre. Le verdict de la Cour constitutionnelle a donné le ton à la célébration de la victoire du peuple malien tout entier. Aujourd'hui, le Mali peut sereinement envisager son avenir politique en mettant en place les institutions qui auront la lourde responsabilité de faire ses premiers pas à la toute nouvelle République. Parmi ces premiers pas figure en bonne place la tenue d'élections générales dans le pays, avec en ligne de mire la présidentielle prévue en février 2024. En vue d'accompagner le Mali dans le respect de ces délais, les chefs d'État de la CEDEAO, qui suivent l'évolution de la situation au Mali, ont annoncé l'envoi d'une mission en août à Bamako, après une réunion le 18 juillet au Nigeria. Selon le communiqué officiel, c'est le président béninois Patrice Talon qui sera à la tête de cette mission.